est le plus beau et simplement de génération parce que c'est le moyen par lequel Dieu nous console aujourd'hui. C'est un acte de purification, de libération, de restauration. Il y a dans nos vies des situations bloquées, on ne sait pas pourquoi. Et c'est souvent à cause de nos péchés, c'est souvent à cause de notre refus de nous réconcilier. Mais à travers ce sacrement de réconciliation et de libération que nous recommande Saint-Jacques, ces situations peuvent être développées. Dieu peut débloquer ces situations et casser les chaînes de servitude et de possession, en ce sens que dans le sacrement de réconciliation, je reçois la force divine. Je reçois la vitalité de Dieu pour m'éloigner du mal et de l'échec et aller de l'avant. Le fait de confesser les mêmes fautes ne doit pas nous décourager. Cela finit par casser le plafond de verre. Cela crée en tout cas une conscience de plus en plus vive de mon péché. Et l'effet de la grâce qui en suit entraîne la transformation progressive de mon être. Cela entraîne le déplacement, afin de se confesser, de se purifier. Cela entraîne le déplacement de tout mon être, du mal vers le bien, de Babylone, terre d'exil, vers Jérusalem, terre de liberté. Dans notre processus de conversion, la réconciliation avec Dieu et le prochain est certes incontournable, mais elle doit passer forcément par la réconciliation intérieure. Un moine orthodoxe russe du 19e siècle, du nom de Saint Séraphin de Sarov, disait que la réconciliation intérieure est importante. Il disait ceci exactement. Acquiert la paix intérieure et des milliers autour de toi auront la paix. La réconciliation avec soi-même, c'est finalement la première urgence de conversion, car il est impossible de s'approcher de Dieu et de son prochain en étant soi-même divisé, écarté. Le véritable défi que Dieu propose alors est de se convertir vraiment. Se convertir non pas aux idées du monde ou à un certain idéal du moi, mais de se convertir à la conviction que Dieu peut nous libérer de tous les esclavages, il peut nous faire revenir de tous les exils et nous configurer au Christ victorieux de la mort au matin de Pâques. Tant que nous appartiendrons à ce monde-ci, nous demeurerons tentés par son mode compétitif, par ses envies matérialistes et par tous ses autres esprits. Mais quand nous appartenons à Dieu, quand nous prenons conscience que nous appartenons à Dieu, qu'il nous aime de façon inconditionnelle, nous pouvons vivre comme des hommes et des femmes, libérés et libres. La grande conversion à laquelle Saint-Jacques nous invite, c'est de passer d'une appartenance à ce monde à une appartenance à Dieu. Comme l'a signifié Jésus dans l'évangile de Saint-Jean au chapitre 17, il dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas libres, parce que nous n'avons pas à épouser ses fils, mais au contraire, nous avons à combattre les vices de ce monde. Le repentir signifie que nous avons soif de la manifestation de l'amour de Dieu dans ce monde. Celui qui a pris le temps de se repentir montre sa soif d'amour, montre la soif qu'il a de voir Dieu avec nous remplir son cœur d'amour, remplir ce monde d'amour. Cela montre que nous avons soif que la lumière de Dieu se lève enfin, se lève nos épreuves et nos ténèbres. Dans la confession, il y a de la tristesse et c'est normal, parce que le pécheur repenti est triste en ce sens qu'il a pris conscience de son péché
et les conséquences néfastes du péché sur le beau projet que Dieu a soumis et c'est la grâce. Le repenti est triste parce qu'il a pris conscience en commettant le péché. C'est Dieu lui-même qui l'a blessé. C'est le visage harmonieux du monde qui l'a défini. C'est pourquoi, comme le psaume 50, le pécheur repenti peut dire: mon Dieu, contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le repentir est donc un passage marqué par la tristesse, mais l'esprit de repentir est une béatitude tristesse. Jésus qui nous le dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 5, dans les béatitudes, il dit ceci en substance: heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Le verbe être est au futur, car la consolation est une promesse de Dieu qui se réalisera tôt ou tard, ici-bas et pour l'éternité. Résumerai donc la tonalité et ce sentiment spirituel qu'est le repentir auquel nous invite Saint-Jacques. Le repentir que nous expérimentons notamment dans la confession. Ces deux mensonges, ces deux expressions, une douleur qui est passagère, une douleur du cœur causée par le degré du péché, et puis l'autre expression, une joie totale et permanente, celle qui est causée par la consolation de Dieu, douleur et joie. Le repentir exprime la tristesse du pécheur, mais il est surtout la source de toute véritable joie. Les moines l'ont appelé la douloureuse joie, car la véritable joie spirituelle née du repentir, née de l'état de celui qui a pris conscience de son péché et qui retourne vers son Père. Elle fait même partie du repentir de la joie spirituelle. Elle est celle précédée par une douleur, une peine, un passage chez toi, une certaine angoisse, un malaise intérieur face au mal dont je suis responsable, mais elle aboutit à la félicité totale et définitive. La joie finale du repentir consolé est le signe que Dieu n'a pas fait l'homme pour le guérir, mais pour la joie et pour l'allégresse, afin qu'il le glorifie dans la sainteté et l'innocence, dans cette vie et pour l'éternité. Depuis Adam et Ève, la chute de l'homme dans le péché a rendu le guérir nécessaire. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait aucune nécessité de pleurer, aucune nécessité de se confesser. Et s'il n'y avait pas de peur, s'il n'y avait pas de remords devant le péché, il n'y aurait aucune nécessité d'être consolé. Le repentir est donc au carrefour du regret de la faute commise contre Dieu et le prochain, et de la merveille que je suis comme personne aimée, créée, sauvée par Dieu. Le repentir se situe à la frontière de cette double vérité spirituelle. L'abîme du péché, quand je fais un péché, je suis dans l'abîme. Et quand Dieu vient me consoler, quand je me reprends, je replonge dans la vue infinie de Dieu, mon consolateur. Finalement, péché et miséricorde, douleur et joie sont indissociables. Repentir et consolation aussi sont indissociables. C'est pourquoi on dit que l'homme est à la fois perdu et sauvé. Il est pécheur, récidiviste et passionnément aimé. Le repentir ne nous fait pas oublier nos péchés, bien sûr, mais il ne nous laisse pas non plus dans une contemplation traumatisante de notre faute. Au contraire, il nous jette dans les bras de Dieu et nous maintient dans l'émerveillement de la miséricorde et de la consolation que Dieu nous a manifestée dans le passé à travers nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, qui nous manifeste aujourd'hui à travers le sacrement de réconciliation, à travers tous ces miracles qu'il fait pleuvoir dans nos vies et qu'il continuera à nous manifester dans le passé si nous lui restons fidèles, si nous nous convertissons à lui. Finalement, le grand appel à la conversion que nous lance Saint-Jacques ce soir consiste à regarder le monde, non pas avec les yeux tournés sur soi, mais avec les yeux de l'amour de Dieu, qui pardonne sans cesse, qui veut notre bonheur, qui est généreux et qui
œuvre sans cesse pour nous délivrer du mal. Pour clôturer ces tristes paroles, je voudrais revenir sur la joie comprise comme étant l'état final dans lequel tout chrétien, tout grandit et converti devrait être après avoir bénéficié de la miséricorde et de la consolation divine. Je disais tout à l'heure que le repentir est la source de toute joie. Elle est une béatitude parce que la réconciliation avec Dieu conduit à la véritable joie. Par conséquent, celui qui est consolé par Dieu, celui qui se sent consolé par Dieu, parce que Dieu nous console, mais nous n'en sommes toujours pas conscients. Celui qui est consolé par Dieu, celui qui a été plongé dans la miséricorde ne peut que demeurer dans une joie permanente, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves. Il est donc important d'être dans la joie quand notre péché nous éloigne de Dieu et des assises. Il est donc impossible, pardon, d'être dans la joie quand notre péché nous éloigne de Dieu et des assises, cité sainte Jérusalem. Voilà pourquoi, si en Isaïe 40, Dieu compatit à la détresse de son peuple en exil, au retour d'exil, le psalmiste va décrire la joie énorme qui se lisait dans les visages des anciens déportés en disant au psaume 126, versets 1 à 3. Quand le Seigneur ramena les captifations, nous étions comme en terre. Alors notre bouche était pleine de vie, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour nous le Seigneur, quelle merveille le Seigneur qui pour nous. Nous étions en train de faire. La joie véritable est donc un don de Dieu. Elle est de la proximité de la réconciliation avec Dieu. Elle est de la consolation divine. Elle nous remplit de l'intérieur et de longtemps. C'est comme une onction de l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et le Christ qui nous a été envoyé dans notre corps, dans notre vie, dans notre être. Et cette joie est une joie communicative, une joie missionnaire, une joie totale. La joie devrait finalement être un trait caractéristique du chrétien dans le monde. Elle devrait être une dimension constitutive de son identité, car tout chrétien, en s'approchant de Dieu par le sacrement de réconciliation, par le Eucharistie et par toutes les démarches spirituelles qui manifestent, pour être pardonné, pour être consolé, pour être restauré, le chrétien, la chrétienne devient victorieux du péché, devient victorieux de péché, de la tristesse et de la malédiction. Que la, par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu de Jésus-Christ nous remplisse donc de toute joie et de toute paix, en tout temps, en tout lieu et pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.